filles attendent cette soirée depuis leur tendre enfance, mais les gars, eux, on n'en parlera pas. Le bal. Le bal. On paye 2000$ pour une soirée qui dure 6 heures. Ben là, le bal, ça va être ma soirée. Moi, je vais me prendre une robe à 1000$. Il va falloir qu'elle fitte avec mon accord. Pas 1000$. 1000$? Ouais. Ça, c'est combien d'heures de travail, 1000$? Pas grave, c'est ma soirée. 1000$. C'est ça. Elle va mettre 1000$ sur sa robe. Moi, je vais mettre 1000$ ailleurs. Je les avais pas assez, ça me donne soif. Oh, mais on va être belle, on va être des princesses, ça va être malade! Pour des photos qu'on met sur Instagram, qu'on enlève après, quand on rentre au cégep, on les enlève parce que là, on change, on devient grande, on a des formes, et ça finit comme ça. En tout cas, moi pis mon chum, depuis ça qu'on arrange qu'on se prépare, pis ça va être notre soirée. Gâche pas mon fun. Moi, l'après-balle, je veux juste que tout se passe bien. C'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait ben du plaisir, ben de l'amour, pis ben de d'alligator. D'alligator? Je comprends pas, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, en tout cas, j'ai hâte au bal pour l'après-bal. Yeah! L'après-bal? Ben, moi, j'irai sûrement pas parce que comme je vais être, ben, la reine du bal, je vais être trop occupée à signer des autographes. En tout cas, pendant que toi, tu vas signer des autographes, moi, je vais caler le boa. Le boa? Boa! Moi, pour mon accompagnateur, ça sera pas bébé copié. Depuis ça qu'on a rien qu'on sort ensemble, moi puis mon chum, puis c'est sûr que je vais y aller avec lui. Ouais. Mais il y en a que c'est pas bien compliqué, là. Mais il y en a que c'est vraiment plus compliqué. Regardez toute la pile de CV que j'ai. En plus, faut que je fasse des auditions mardi prochain. Zac Efron, mais voyons, il se prend pour qui? Zac Efron, on laisse pas passer ça, là. Les photos de finissante, on pensait que c'était pour être la photo de notre vie. On s'était préparé, maquillé pour ça. Finalement, on avait toute l'air de des pichous. Tu sais, la communauté au complet va voir ça, puis on est toutes laides. Voyons. Ouais, on chiale bien de nos photos de secondaire 5, mais regarde nos photos de secondaire 1, m'a dit, c'était pas ben ben chic. Ouais. Ces soirées seront mémorables pour tous, du moins pour ceux qui s'en rappelleront, les parties. Qu'est-ce qu'on fait 5 jours sur 7? On est assis sur une chaise à l'école. Fait que la fin de semaine, on a le goût décompressé. Qu'est-ce qu'on fait? Le party! J'ai hâte au cégep juste pour les parties de cégep. Ah, c'est vrai que c'est le fun, les parties, hein? Ah ouais! Party? C'est pas dans le dictionnaire, ça. La personne qui est le plus sur le party? C'est certainement pas moi. En tant que maman du party, s'il y a quelqu'un à terre, je vais le ramasser. Puis si quelqu'un vomit, je vais le ramasser aussi. Bon, ben, ça doit être moi parce que... Mais c'est toujours moi. Je dirais certainement pas Mégane, elle est tout le temps en train de nous ramasser. Il y a un verre qui tombe à terre, elle passe la mop. Il y a quelqu'un qui tombe à terre, elle la ramasse. C'est elle qui appelle l'ambulance. Non. C'est certainement pas Elo non plus. Quand il y a quelqu'un qui s'approche d'elle, c'est trop proche. Ça rentre dans sa bulle. Non, touchez pas. Sinon, ben, il y a Ro. Non. Qui s'en rappelle jamais le lendemain matin? Puis. Parce que c'est trop rapide. Deux alligators plus tard, tout bête. Sinon, je vois vraiment pas c'est qui la fille la plus sur le party dans la gang. Mais toi? En tout cas, tu colleras pas de boa dans mon carrosse. Ils nous énervent de temps en temps, mais on les aime quand même. Les gars au secondaire. Ouais, les gars au secondaire... Au secondaire, c'est peine trop dépendant affectif, ça. Ils me courent tout après. En tout cas, on n'a pas tous le même problème, hein? Mais moi, ça fait un méchant bout que j'oublie l'idée des gars. C'est bien trop compliqué. J'en ai spoté un au cégep. Qui, ça? Je te le dis pas, tu vas me le voler. Les garçons, faut-tu vraiment que j'en parle? Non? Un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas vers votre liberté, l'obtention du permis de conduire. Moi, je suis née tardivement, au 8e mois de l'année, en août. Donc, c'est encore mes parents qui s'occupent de mes transports. Merci, maman. Merci, papa. Bon, mais pendant que toutes mes amies ont leur permis, bon, mais moi, je passe des heures dans un local à écouter un monsieur nous parler de l'éco-conduite, de l'alcool au volant, de la drogue au volant. Bon, mais ça sert à rien. Il radote sur des histoires que ça fait 1000 ans que c'est passé. Les permis de conduire, les cours de conduire, pas besoin de ça, moi. J'ai déjà mon chum qui me chauffe partout. Ouais, puis moi, mais j'ai mes chauffeurs privés, fait que pas besoin de ça. Méchante chauffeuse privée. Ça, c'est nous, ça. À quoi qu'on sert, nous autres? Aller acheter du McDo sur l'heure du dîner.
Ça, c'est avoir son permis en octobre puis trimballer toutes ses amis jusqu'à l'été le temps qu'il est leur sien. Puis tes payes que tu fais au McDo, ils s'en vont où? Dans le gaz! La fin du secondaire arrive à grands pas et c'est maintenant le temps de construire votre propre avenir. Les 10 prochaines années s'avéreront un grand défi pour tous. Moi, plus tard, là, je vais plein d'affaires avec mon chum. Gaétan, Stéphane, Nicole, Marie-Josée, Anthony, Benjamin, Ariane, Martin. Où je me vois dans 10 ans, je devrais avoir terminé mon doctorat en littérature française. Moi, dans 10 ans, mon rêve, ce serait d'habiter à Miami. Puis j'aimerais ça faire un vidéoclip avec du monde genre full populaire. Puis dans 10 ans, je vais avoir un chum, puis genre, je vais être sa queen pour toujours. J'ai pas vraiment pensé à mon avenir. J'aimerais ça finir dans mon coin de mie avec mes 56 chats. Mimi, Flocon, Croquette. Moi, les projets d'avenir, c'est pas trop compliqué. Je vais être riche. Je sais juste pas comment me rendre là, mais je vais être riche. C'est pas rassurant. Caramel, vanille, sans sucre, petit poil, minou. Puis c'est pas ça. Moi, plus tard, c'est pas compliqué, je vais devenir une rockstar. Pas la boisson énergisante, non, déjà assez d'énergie de même, moi. Je vais faire le tour du monde puis je vais devenir une screamer! Je finis ça de même? Ouais.